Ce vendredi 27 janvier, Jerem Star a publié une vidéo en pleine immersion dans la reconversion professionnelle d'Amandine et Alexandre Pélissard, et le couple a dévoilé le montant qu'ils ont gagné depuis leur inscription sur une plateforme pour adultes. Les Pélissard font partie des premières familles découvertes par les téléspectateurs dans l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL. S'ils ont accédé à la notoriété grâce à TF1, ils sont aujourd'hui en froid avec la production du docu-réalité, lui reprochant une attitude malsaine lors des tournages. Le couple et ses 8 enfants ne participent plus à l'émission, mais restent tout de même une des figures incontournables. La famille nombreuse continue d'interagir avec le public, notamment via les réseaux sociaux, et Amandine Pélissard est devenue une véritable influenceuse. Récemment, le couple a décidé de se lancer dans la production de contenu un peu particulier, la production de contenu érotique, à destination des adultes, à retrouver sur une plateforme accessible par abonnement. Ça rapporte plus que les placements de produits. La reconversion professionnelle d'Amandine et Alexandre Pélissard n'est pas au goût de tout le monde, mais le couple est pleinement épanoui et en paix avec sa décision. Ils ont d'ailleurs décidé de montrer leur quotidien en proposant une immersion d'une journée au youtubeur Jerem Star, vidéo à retrouver ici, et ont parlé davantage de leurs revenus. Pendant leur entretien, le blogueur leur a demandé si les revenus engrangés par la plateforme étaient déclarés. Ah bah bien sûr. C'est très cadré. Point, tu as tes factures, a tout de suite répondu la mère de famille. Ils ont ensuite dévoilé combien d'argent ils ont gagné depuis qu'ils ont commencé leur nouvelle activité, 26 242 euros. À notre grande surprise, c'est vrai que ça marche extrêmement bien, et on est ravis, c'est vrai qu'on a des clients très réguliers, a ajouté Amandine Pélissard. Ça rapporte plus que les placements de produits, carrément. On n'aurait jamais cru que ça rapporterait autant d'argent, jamais. Le couple ne cache d'ailleurs pas sa joie face à ce succès, on est content. En plus, on est vraiment en symbiose tous les deux, on s'est retrouvés. Point, on est heureux comme ça. On les vend entre 70 et 100 euros. Amandine et Alexandre Pélissard reçoivent sur l'application pour adultes des demandes de la part de leurs abonnés, parfois très osées, et décident ensemble s'ils décident de les faire ou non. Cette fois-ci, une personne demandait à la mère de famille de porter pendant 2 jours la même paire de chaussettes et de filmer ensuite ses pieds pendant 4 minutes, une proposition qu'elle a acceptée pour 30 euros hors frais de plateforme. Et encore, 30 euros ce n'est pas cher, là, il ne demande pas grand-chose, a-t-elle expliqué. Son mari a ensuite commencé à la filmer pour envoyer ensuite la vidéo à leurs clients. Une scène des plus inattendues. La mère de famille a ensuite dévoilé le prix des autres demandes un peu plus osées. Les vidéos plus posées sexuellement, on les vend entre 70 et 100 euros, a-t-elle avoué. C'est un vrai métier, ce n'est pas facile, c'est énormément de travail. Amandine a ensuite balancé qu'elle ne faisait pas un métier désagréable. À lire aussi, j'ai horreur de ça, Souke Davonugaya, famille nombreuse, pas tendre concernant la nouvelle carrière des Pélissard dans le X.